Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Je me présente, Yann Lebaye, cofondateur de Bystamp, une société basée en France qui a développé le tampon électronique Bystamp. Alors Bystamp, c'est une solution d'authentification qui permet d'authentifier un tamponnage sur 100% des smartphones et tablettes du marché en moins de 2 secondes, sans appairage préalable, c'est-à-dire à la volée, et également sans connexion réseau. Bystamp donc s'intègre dans toute application qui nécessite à un moment donné de son process une authentification en face à face, permettant ainsi de faire des usages nouveaux comme la carte de fidélité virtuelle, comme du paiement cash-in, cash-out. Donc je vous laisse imaginer tous les usages possibles autour de Bystamp puisque cette solution est interopérable par tous les smartphones du marché. Donc je vais vous présenter un cas d'usage assez simple qui est dans le paiement électronique, qui permettra de faire donc du cash-in ou du cash-out simplement avec un tampon, de commerçant ayant un tampon. Et à partir de ce tampon, il pourra créditer ou débiter le compte de ses clients qui ont une application de banque, comme Orange Pay ou d'autres banques connues. Il suffira de tamponner l'écran et à ce moment-là, il aura signé et la personne qui aura donné 20 euros, il recevra en échange 20 euros de monnaie électronique sur son téléphone. Un autre cas d'usage qui est plus courant et plus connu, c'est un cas d'usage dans le domaine de la fidélité. On peut très bien imaginer que chaque commerçant ait un tampon et que vous ayez une application de fidélité et que vous souhaitiez avoir une étoile en plus dans votre parcours client. Auquel cas, vous allez sur votre magasin et tout simplement, le commerçant tamponne votre smartphone et une nouvelle étoile apparaît permettant de justifier votre passage et c'est tout. Donc Bystamp est une solution extrêmement simple pour plusieurs usages possibles, que ce soit dans la fidélité ou dans le paiement, vous l'aurez compris, c'est de la signature électronique. À vous d'imaginer tous les concepts qui vont derrière.